Bonjour à tous. Le titre de France Soir attire mon attention. Il s'agit d'un article sur un enfant qui a été condamné plusieurs fois pour vol. Ça se passe à Lille et en particulier dans le quartier de Oisem. J'appelle le journaliste qui a écrit cet article. Il me donne les coordonnées de la mère de Michael, car il s'appelle Michael. Il faut qu'elle puisse témoigner de son désarroi, de sa souffrance. Voilà ce que je lui demande. Elle me dit, d'accord, ok, on réunit toute la famille, et puis vous faites vos interviews. Bingo, c'est parti. Le journaliste Philippe Buffon a voulu poursuivre plus loin l'enquête, alors il s'est retrouvé dans un quartier à l'abandon d'une grande métropole du Nord. Et puis, la famille du jeune délinquant a accepté de lui ouvrir sa porte et de s'exprimer. Dans ce document, c'est vrai, il y aura un visage masqué, un nom que vous n'entendrez pas. Le visage et le nom d'un enfant. Moi, j'étais vraiment sans rien et moi, j'ai fait aussi des chèques sans provision. Et si j'avais encore des carnets, j'en referais. Je referais des chèques sans provision parce que je ne peux pas laisser mes gosses sans rien. C'est juste en prison, certainement, mais tant pis. Tant pis, il faut que je nourris mes gosses. Hein. On a réussi à avoir un chéquier, avec une garantie de jeune femme. Ma fille, elle a mis sa photo dessus. Et comme c'est une jeune fille à peu près de mon âge, elle avait dans les 25 ans, comme moi j'en ai 22, ça allait, quoi. Donc j'ai mis ma photo dessus. Et je suis allée dans plusieurs magasins pour faire des achats, vêtements et nourriture. Et pour ça, on a fait 9 jours de prison tous les deux. 9 jours. On a été balancés, je ne sais pas par qui, j'en sais rien, mais on s'est retrouvés en tôle, toutes les deux. Et je vous dis pas, c'est la honte, ça, parce que il n'y a pas que moi qui étais en prison. On est Jimmy, Reynald, moi et ma fille. Ça fait 5. J'ai 6000 francs par mois pour faire vivre toute ma famille, ainsi que moi et mon mari. Parce que tous les mois, il faut lui envoyer de l'argent. Pourquoi vous êtes ici, votre mari ? Et en prison. Prison pour cambriolage. En effet, Juliana est complètement... elle ne sait plus quoi faire. Si. La seule chose que cette famille finalement fait en fin de partie, c'est voler, parce qu'elle n'a plus rien à faire d'autre. Tu as déjà été arrêté par la police ? Oui. Pourquoi ? Ben, pour des vols. Et pourquoi des vols ? Ben, pour ramener de l'argent, quoi. De l'argent à qui ? Pour ma mère, pour mes frères et sœurs. T'as été arrêté par la police ? Enfin, combien de fois ? Je sais plus le compter. C'est plus le compter ? Ouais. À peu près comme ça. Ouais, pour vous dire, arrêté par la police. Ouais. Je ne sais pas vous dire. 5, 10, 15, 20. Plus que ça même. Beaucoup plus. 50 fois peut-être, on est sûr. Mais incarcéré 4 fois. Oui. Et voilà là où va, puis les sacs à arracher. On sent que le métro il sonne et puis on prend le sac qui est dans la femme qui est dans le métro. Et puis vous cavalez et puis vous en allez avec le sac. Oui. Et t'as été pris comme ça? Oui. C'est pas pour ça que j'ai été en prison aussi. C'est pour autre chose. C'est pour quoi? Des agressions. Des agressions? Oui. Quel genre d'agressions? Agresser des gens pour prendre leur argent. Et tu les agressais comment? Bah, je sais pas. Donne-moi tes sous, sinon c'est ensemble. Son frère aîné, lui,
purgent également des peines de prison. Les enfants sont dans la rue. Celui qui ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas comprendre. Les gens bien, là, les bien-pensants, ils ne peuvent pas comprendre. Qu'ils viennent vivre seulement ici, tu vois. Un tout petit peu, seulement une semaine. Ils ne peuvent pas, ils craquent. Bon, mais ici, c'est de pire en pire. Et puis en plus, ce quartier, il est réputé, hein. Surtout Oisem. Alors en plus, ils nous ont mis dans un quartier pareil. C'est tous les drogués, c'est tout ce qu'on veut par ici. Qu'est-ce qui guette ces enfants? La sœur de Michael a voulu se tuer. Fais le bout du temps. On est plus fort à le chercher. On a fait cul. Ça fait 11 ans qu'on l'a. Il est beau. Non, on a pas fait. Allez, merde. J'ai déjà pas besoin de ça là. Oh, j'ai voulu me suicider. Est-ce que t'en avais marre? J'en avais marre. C'est bizarre. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien. J'en avais marre, c'est tout. Elle a fait un mélange caché de tout, pour le cœur, pour tout. Et elle est restée dans le coma 5 jours. Elle est restée 15 jours à l'hôpital. Elle voulait mourir, elle avait marre. Flore. 5-6 fois, je me suis tombé, mais encore, c'était pas trop grave. C'est super. Moi, on oublie la misère, on oublie qu'on est drôle, qu'on est dans une drôle de maison. On oublie tout, c'est comme si on était bien, quoi, normal. Comme si on avait une maison normale, tout ça. J'ai fait ça et c'est vrai qu'on se sent bien. On pense à rien. Les gens disent que tu devrais pas faire ça parce que c'est pas bien, c'est dangereux. Mais quand on y a goûté, ben, pour nous, c'est bien. Tout le monde le fait, tout le monde le fait. Il suffit que le gosse, il est découragé, tout ça. L'autre, il pousse, voilà. Et les grands, ils le font, hein, dans la rue, ils se cachent pas, ils font devant tout le monde. Ils gênent pas, quoi. Ils gênent pas, alors bon, ben, les petits, ils voient ça. Il suffit qu'ils ont un problème, bon ben hop, voilà, puis ça y est, c'est parti. Mais ça, je leur explique sans arrêt que c'est pas bon, qu'ils foutent leur santé en l'air, ils foutent tout, quoi. Les enfants, ils me disent souvent que s'il y avait un bon Dieu, on vivrait comme ça. Moi, je dis, c'est une épreuve. C'est ce que mon amie aumônière, elle m'a dit. Venir de la prison? Oui, de manière de la prison de Loos. J'ai revu Michael quelques mois plus tard à la prison de Loos. Quand tu voles une voiture, c'est bien ou c'est mal? Oh ben non, c'est pas bien. Pour les propriétaires, mais nous, on s'en fout. C'est pas nous, les propriétaires. Ça te fait pas peur, tu sais? Je m'en fous de me voler. Tu n'as jamais été en prison avec des majeurs, dans la cellule? Si. Une ou deux fois. Est-ce que le cachot, ça existe? Non, le mitard. Le mitard? Hein? Mais parce que je fais des tournants, mieux. Parce que... C'est rien, plein de trucs. Je casse là, moi. Ces expositions médiatiques, car j'ai fait deux reportages sur cette famille, qui sont passés en heure de grande écoute, eh bien, ces expositions médiatiques n'ont absolument pas servi. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait pour cette famille. J'aurais voulu. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Travailler. Travailler. Bien. Comme mon père. Allez, sans gâteau. Moi, après, tu peux parler à l'agent. Sur la Depuis, plus de nouvelles, plus du tout de nouvelles. Alors, comme ça fait longtemps, bah, j'espère que Michael est devenu un garçon beaucoup plus sage. J'espère.
Bon, écoutez, à bientôt sur ma chaîne. À bientôt, j'espère. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.